allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je ne suis presque pas en retard, ça va être une vidéo mes produits terminés du mois de juillet. Oui. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc nous avons quelques petits produits terminés que nous allons tout de suite vous présenter. Alors j'ai terminé Cottage Citron Gourmand. Je deviens aussi Cottage Addict, oui. Donc écoutez, quand j'allais faire les courses, je ne trouvais pas de cottage, sauf celui au caramel. Je déteste cette odeur chez Cottage. Et la dernière fois, je ne sais, à Carrefour Market, je suis allée en dépannage et je l'ai trouvé dans le rayon. Donc j'ai pris Cottage Citron Gourmand et j'ai pris l'autre, c'est Ananas Coco, une tuerie. Celui-là, on dirait que je me lave avec de la tarte au citron. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je kiffe la tarte au citron meringuée. C'est un de mes desserts préférés. Donc il a été vite terminé. L'odeur. Oh, oh c'est juste une tuerie. Donc non, je ne l'ai pas racheté parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais si je le retrouve, oui, oui, je le rachèterai. Ensuite, si vous avez regardé ma dernière vidéo swap, j'avais eu ce Cottage, la guimauve marshmallow. Une tuerie aussi, je l'avais en grand format. Oh, l'odeur, c'est une tuerie aussi. Si je le retrouve, oui, je le rachèterai. Mais là, inconnu au bataillon dans mon magasin, que ce soit Auchan, Carrefour. Petit appel personnel à Auchan, Carrefour. Il faudrait faire du Cottage dans le Nord à côté de Valenciennes. Que je puisse en acheter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Annonce personnelle terminée. Donc oui, si je le retrouve, j'en rachèterai. Pour l'instant, je n'en ai pas retrouvé, malheureusement. Mais l'odeur, c'est une tuerie. Ensuite, comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai terminé mon dope Dragipus. Oui, oui, déjà racheté. L'odeur, toujours pareil. Une tuerie, donc oui, déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé le dope menthe givrée. Une tuerie, surtout là, ces derniers temps, il avait fait super chaud. Bon, pas là en ce moment, hein. Parce que dans le Nord, on a un petit peu un temps d'automne. Il fait que pleuvoir, du vent, tout ça. Juste pour la vidéo, j'ai mis un débardeur, mais en vrai, je me les gèle. Oui. Donc oui, je l'ai déjà racheté parce que j'ai pu le trouver à Auchan Petite Forêt. Donc oui, il est déjà racheté. Topissime l'odeur. Ça fait un petit effet frisson sur la peau frais. Oh, j'adore. Je vous disais dans ma dernière vidéo, je ne sais plus... Eau micellaire. Oui, j'avais terminé mon eau micellaire et je vous parlais. Donc je l'ai terminé, écoutez, je ne changerai plus de démaquillant. Je trouve celui-ci topissime. Donc en fait c'est un... Je vous en ai laissé un petit peu, vous voyez, il est transparent. Donc il nettoie, il démaquille. Et je trouve que moi il m'apaise la peau. Donc que je sois maquillée ou pas, je m'en sers quand même le soir pour me nettoyer le visage. Je trouve cette eau juste parfaite pour moi. Donc vous en avez... Moi j'ai pris peau sensible, mais vous l'avez pour peau normale. Enfin vous avez différents trucs. Donc vous pompez et ça mousse tout de suite au contact de l'eau. Il fait visage... yeux et lèvres. Alors je vous dirais, si vous êtes comme moi, que vous mettez uniquement que des mats, il va falloir frotter un petit peu parce que les mats, ils les enlèvent pas au premier passage mais plutôt au deuxième passage. Mais je vous dirais, ça fait une mousse ni trop grosse ni trop fine, mais on sent vraiment un état de propreté. Je vous dirais que, alors je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je trouve que je n'ai plus du tout de boutons depuis que j'utilise cette eau micellaire. Je trouve qu'elle me nettoie bien le visage. Et j'ai cet effet frais, propre, tout de suite avant d'aller me coucher. Donc oui, il est déjà racheté. Et quand j'avais acheté celui-ci, c'était à Carrefour. C'était un lot de deux, donc il m'en reste encore un. Et je l'ai déjà racheté parce qu'il y avait une autre promo aussi à Carrefour. Mais j'adore vraiment ce produit, je vous le conseille vraiment. Donc c'est Garnier Skin Active, gel nettoyant micellaire tout en un. Il est vraiment topissime et il dure très très longtemps parce que je vous dis, je m'en sers tous les soirs pour me nettoyer le visage et tous les matins. Quand je viens de me réveiller, ça réveille tout de suite, on a une sensation et c'est vraiment, c'est même plus qu'une sensation, on a vraiment une peau propre et nette. Donc je vous conseille vraiment ce produit. Mademoiselle a enfin terminé le deuxième du lot de Ushuaïa Vanille. Je vous disais dans mon autre vidéo produit terminé qu'elle n'aimait pas du tout, mais j'avais acheté un lot donc il fallait bien le terminer. Elle a eu beaucoup de mal, je crois que même ses poupées et ses Barbie, oui, on a du déodorant vanille pour le terminer. Donc non, on n'a pas racheté, on est passé sur du Narta. Peau sensible, enfin je vous en parlerai la prochaine fois. Mais celui-là, non, définitivement non, on ne rachètera pas. Cette sensation d'effet mouillé sous les bras, elle déteste. Puis je vous dis, on sent l'odeur à des kilomètres.
C'est juste pas possible. Ensuite, elle a terminé sa crème pour les mains Mixa Intensif Peau Sèche. Donc oui, elle est déjà rachetée, mais là je vous dirais qu'elle est en vacances depuis 2-3 jours, donc elle n'a plus les mains tout le temps dans l'eau. Donc là, j'espère qu'avec les vacances, on va pouvoir récupérer des belles mains beaucoup plus hydratées. Donc oui, déjà rachetée. Comme tous les mois, oui. Terminé mon dentifrice. Hop, donc c'est un de mes préférés, un de mes chouchous, vous le savez, j'adore le goût. Il est déjà racheté, bien entendu. Top de chez Top, j'adore ce dentifrice, je trouve. Alors après, vous allez me dire, elle est cinglée. Mais je trouve vraiment qu'il y a un petit goût de réglisse, vous ne me l'enlèverez pas de la tête. J'adore ce dentifrice. Ensuite, j'ai terminé mon gel de toilette intime Nivea. C'est le apaisant extrait de camomille. Donc oui, déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé alors, le stylo correcteur de chez Essence. Vous savez, quand vous mettez le vernis, vous débordez, hop, vous nettoyez. Il est déjà racheté, bien entendu. Et celui-ci, je ne vous conseille pas du tout. Alors, c'est un stylo pour hydrater les cuticules. Un vrai flop de chez Flop. Je l'ai acheté, pourtant il y avait le scotch. Il était déjà tout sec. Donc, j'ai pas compris. Il était déjà sale. Alors, j'ai pas compris non plus. J'ai essayé de le nettoyer, rien n'y fait. Tout sec. Donc, je suis retournée à Auchan avec le ticket de caisse en leur disant, voilà, je l'ai acheté. J'y étais allée un samedi, je crois. Je suis allée lundi. Ils m'ont dit non, on ne peut pas vous le reprendre, vous l'avez ouvert. Donc non, je ne rachèterai pas, je ne vous conseille pas. Je pensais vraiment, parce que je vous dis, j'avais plus de trucs pour hydrater mes cuticules. Je pensais vraiment, et non, pour moi c'est un flop, donc je ne rachèterai pas et je ne vous conseille pas ce stylo parce que je vous dis. Tout sec, pas du tout de produit. Alors peut-être que c'est, vous allez me dire, un défaut. Mais j'en avais acheté 3 parce que c'était les 3 derniers. Comme ça d'ailleurs. J'en achète toujours plusieurs d'avance parce que souvent il en reste 1, voire 2 dans le rayon, donc je prends les 2. Et celui-là, il en restait 3. J'ai testé les 3 sont les mêmes. La mine est hyper sèche. Donc pour un stylo qui est censé hydrater les cuticules, je ne vois pas comment ça peut hydrater les cuticules en étant tout sec. Donc non, je ne vous conseille pas, j'en ai quand même acheté 3. Et les 3 sont les mêmes, ils partent à la poubelle parce que je vous dis, mine sèche, déjà tachée, donc je... J'ai essayé d'appuyer, de pomper, je me suis dit peut-être qu'il faut appuyer, vous savez, comme certains stylos, vous appuyez. Mais non, même pas, la mine ne bouge pas, regardez, la mine ne bouge pas, c'est dur. Nul de chez nul, un vrai flop, je vous le remontre. Je ne vous conseille pas ce produit. C'est le Essence Studio Nail, c'est un truc cutique. Voilà, voilà, c'est terminé. Mes produits terminés sont terminés. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.